Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un plateau en gospel. Aujourd'hui, nous allons devoir adorer le Seigneur avec un artiste dont vous connaissez déjà très bien. Je vous demanderai de prendre place là où vous êtes en ce moment et prenez votre temps. Je parie que vos âmes seront bénies au cours de cette émission. Ce sera un plateau où nous allons adorer le Seigneur. Nous allons élever nos âmes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais pour ce faire, une manière pour nous de vous présenter l'artiste que nous recevons ce soir sur notre plateau, nous allons prendre cet élément que la régie nous a préparé. On se retrouve tout juste après. C'est parti. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, là c'était l'homme de Dieu, le frère David Elisha, qui nous a chanté cette très belle chanson, L'Oyembo. C'est avec lui et son groupe que nous allons devoir adorer, comme je l'ai dit dans mon prélude, le Seigneur sur ce plateau ce soir. Alors, frère David, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère. Comment vous allez? Tout doucement, par la grâce de Dieu. Je sais que vous n'êtes pas seul, je ne sais pas si il faudrait que je donne la parole, que vous puissiez présenter le groupe qui vous a accompagné ce soir. Ils peuvent le faire individuellement, il n'y a pas de souci, mais il est là, vas-y. Très bien. Bonjour, c'est les frères Rolly. Ouais. Alors, nous avons le pianiste qui est le frère Rolly. Oui. Très bien. Alors, à ma droite, ici, nous avons la servante du Seigneur. Elle peut se présenter. La sœur Merveille Kitoko. Ah, vous pouvez aussi constater qu'elle a vraiment Kitoko. Alors, celle qui suit. Bonsoir, je suis la servante Manjika. La sœur Ruth Manjika. Alors, après la sœur Ruth Manjika, nous avons la sœur Joël Ngalula. Et la dernière, c'est La sœur Berthe Yumba. La sœur Berthe Yumba. Très bien. Le décor est planté, mesdames et messieurs. C'est avec le groupe du frère David Elisha que nous allons devoir adorer le Seigneur ce soir. Je vous demande tout simplement d'être là et de suivre. Vos âmes seront bénies. Alors, pasteur, Oui. moi je ne veux pas en tout cas beaucoup parler. Parce que ce plateau ici, aujourd'hui, c'est pour adorer. Parce que déjà, c'est la Noël. Et c'est la fin d'année. Bientôt, c'est la nouvelle année. Je ne sais pas moi, la première chanson que vous avez prévue pour nous, et elle est laquelle? On va commencer déjà par là, à adorer le Seigneur. On commence avec Yone Mokonzi. On commence avec Yone Mokonzi. Allons-y. Très bien. Moto akotalela na tango likambo. Moto akotutela tulo. Oyo akokaka makambo na ngai. Moto akosimbisa basekela motema na ngai. Eza se Yesu. Hosanna, 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 encore Hosanna, Hosanna, yes, Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu, Dieu du péché du monde, Hosanna, 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 Naebio, Yesu. Nayo kasango, nayo, nayebio, yaya, obiki sabakufi, yaya, nayebio, oh Yesu, osekwi sabakufi, batoba mona, yaya, nayebio, oh Yesu, olobi sababa, batoba tatola, yango, Yesu, nayebio, oh Yesu, ngai nayebio, zamba ya bakali fisile, oh, nayebio, oh Yesu,
ngaina yebi o zambe salaka bikamo yebi o oh yesu oyo elekeli bato batikela yo yesu yebi o oh yesu spécialiste abaka compliqué oyo minganga balemba o yebi o oh yesu yango na pesa yo mutima langa nyoso yango na simbisa yo kondima nanga mobimba yayananga Kochela motema ezana nye ezayeso yo motoko tutela tolo ya ezana nye ezayeso yo motoko la kisasa liba ya vina yo ezayeso yo motoko la kisasa bitumba oyele lisaka yo ezayeso yo motoko betela masolo masolo motema ezayeso yo Tombola Yeso, Alleluia, Hosanna. Tombola Yeso, Alleluia, Hosanna. Tombola Yeso, Alleluia, Hosanna. Yonemo balie, Alleluia, Yonemo konzine siko, Alleluia, Hosanna. Toyembe libanga ngate, Yonemo konzine siko yo, Alleluia, Hosanna. Obiki sababelie. Tomboli maladi bisoto tomboli yo Yonemo kondine sikoyo Batomboli babola tozoto tomboli yo Yesu Yonemo kondine sikoyo Ah yonelo mbene sikoyo Yesu Yonemo kondine sikoyo Yone championne sikoyo Yonemo kondine sikoyo Elombelo mbene ngayo Ya, Ele keli ba genero botike la Yesu Yesu ki si gouvernement botike la Yesu Yende moto ko chela monte manavio Yende moto ko la kisana bato ya ya Yesu Yende moto ko tutse la tolo Yende rita jo ko tika na famille na ngai Ba boto la nganyo so batike la ma Yesu Bazonyo soba pesanga batikela nga Yesu C'est vraiment la zangi yo so me nazana yo Yesu Nazangi yo so me ozana nga Yesu Elombe 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 yonde Yonde mo kosi Nesiko yo Si nous pouvons quand même applaudir Je comprends pourquoi le roi David, à chaque fois qu'il avait un problème, il allait adorer. Et je comprends la force de l'adoration.
je sens mon âme être élevée d'une certaine façon parce que je sens la présence de Dieu et ça me fait tellement du bien. Frère David, c'est quel le titre de la chanson? Yonde Mokonzi. Yonde Mokonzi. Yes. Yonde Mokonzi. Je voulais demander, inspiration na yo ozoango wapi au fait? Parce que je sens aussi beaucoup de mélancolie dans la majeure partie de vos chansons. C'est dû à quoi cette mélancolie? Et puis, d'où est-ce que vous puisez votre inspiration? Dans la plupart de mes chansons, vous trouverez que je partage souvent mon expérience personnelle avec Dieu. C'est une expérience personnelle. Exactement, avec Dieu. Vous savez, chanter ce que les gens vivent, c'est une chose, mais chanter ce que vous une expérience vivez, vécue. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté, ça n'est qu'une autre. Mm-hmm. Eli, si nous disons aujourd'hui Kenza Makabola Mai Akidita Moto Nathan Eli, mais moi quand je suis en train de chanter des choses, en fait ce sont des expériences. On a vivant Nzambe m'a tiré de quelque part, il m'a placé quelque part, et c'est pour ça que je lui dis Naye Bio, tu es le spécialiste des cas impossibles. Aux Nzambe yaba encore et encore. Alors le mot c'est que Naba. Nous avons une sur l'expérience personnelle. Les arrêter, vous avez la parole été ou bien des personnes chez qui vous achetez des chansons. On a ça la marque qu'on fait dans le monde musical. Mais ce qui est normal, Moutignon soit à talent démonté. Vous avez 5, 3, il y a ceux-là qui ne savent pas chanter, mais babi au composé. Bon, je suis pas yébi ko composé, mais babi ko yemba. Donc, tu vois, il faut pas sangana. Oyo yébi au composé, na o yébi au yemba ba sangani, bon, ba kende liboso. Il y a ceux-là aussi, on zamba pambola, na ko yemba, na composition. C'est-à-dire, azana possibilité, il y a quoi, ça la songe. Mais pas seulement que vous avez interprété les songes. Il y a ceux-là qui ont seulement les dons, il y a songe, il y a vision. Il y a ceux-là qui ont les dons, il y a interprétation. Mais vous avez tous les songes, vous avez tous les songes. Vous avez tous les songes. Je peux rêver, je peux interpréter. Donc je peux composer une chanson, je peux chanter. Ça veut dire que Frère David et Tomo n'a pas été boyé depuis. Abandi carrière musicale na yatika no son mandi mobuite. Dieu a fait de moi une source d'inspiration. Na robi misola ta 40 zemonet ofaniara siko. Ta 40. Donc ato yibinga ta 50 na osa mususu. Osa mususu. Non, Dieu a fait de moi une source d'inspiration et peut-être que demain na osomba rabanze mo. Peut-être. Ah, peut-être. Ce qui peut être que je me déconnecte avec la source. Mais si je suis toujours accroché, quand je me connecte de la source. Quand je suis toujours là avec lui, autant que je serai avec lui, je serai toujours inspiré. Frédéric, que représente la musique, en fait, pour vous? La musique, en fait, c'est un moyen d'exprimer ce que j'ai au plus profond de moi. Pour moi, il n'y a pas un autre moyen d'exprimer ce qu'on a au plus profond de nous que par la musique. Imaginez comme je suis là, je ne suis pas un politicien. Si un politicien veut s'exprimer, il va utiliser la télé, je ne sais pas moi, la radio, ou je ne sais pas comment ils font. Un meeting. Meeting, tout ça. Moi, je n'ai que la musique. C'est-à-dire, si je dois extérioriser ce qui est en moi, je dois utiliser la musique. Très bien. Si je dois être une voie par laquelle Dieu va passer pour toucher une personne, ça sera que peut-être aussi par la musique. Vous voyez, Saül était tourmenté par les démons. Très bien. David n'avait pas seulement le don de chanter ni de jouer à la harpe. David avait aussi la puissance de déchirer les lions et l'ours. Vous voyez, mais ce jour-là, pour entrer dans la palais royal, dans les palais royaux, je m'excuse, il aurait fallu qu'il utilise l'un de ses dons, l'un de ses talents qui était la chanson ou jouer à la harpe. Donc moi aussi je pense que la musique m'aide à bien, parce que je peux entrer à l'église comme ça, je ne suis pas le pasteur de cette église, mais je vais parler des ainsi dit les seigneurs ou édifier quelqu'un là. Je fais comment? J'utilise mon micro pour chanter. Très bien. Et dans mes chants,
Je suis en train de fortifier ceux qui sont faibles. Mm-hmm. J'affermis aussi ceux qui sont affaiblis. Et c'est comme ça que ça marche. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé en deuxième position comme titre que nous pouvons savourer? Azawa. Azawa, pourquoi Dieu, quand il est là, ses ennemis se dispersent. Là où est la présence de Dieu, c'est là où il y a la liberté d'expression, la liberté de prospérer, la liberté d'aller de l'avant. C'est pour ça que nous chantons Aza Awa, Nzamba Basakoli, Nzamba Monaka, Nzamba Simbaka, Aza Awa. Et comme il est là, je n'ai pas peur, parce qu'il fera des grandes choses. Très bien, mesdames et messieurs, nous allons suivre cette très belle chanson Aza Awa, comme vient de le décrire l'homme de Dieu, le frère David. Suivons avec ces belles voix et on se retrouve. Nous sommes là. C'est parti. Oh, 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 oh. Jésus. Likolo efungwami na yoki mongongo ezolo bananga mwana kobanga te naza wana pona kopesa solution bisika naza kimia ezalaka napusani lisusu namoni nde nzete wezopela moto mezozika te o Namituni, qu'est-ce que c'est, Oyanolingai? Je suis Nazawae. Yaya Azawae. 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 Zamba bitinda Azawae. Zamba lolae. Zambalo la ye Azawa Oh ya tinaka bapo na mina ye Azawa Azawa ya ya Azawa Oyo amonaka pasi ya moto na sena moyo Azawa ya ya Azawa Ata malediksyo bata mina se ya maya mwindu Akomonango na présence na e C'est vrai na zanginyo somme na zawa pie yo yo Na mikuti na présence ya tata Là où l'impossible se transforme en possibilité yo Azawa Bisika Yesu avandi liberté zalio Bisika Yesu azokonza maladie kimaka o Bisika tata tumami lole fumami Bisika Yesu azokonza molile kimaka Il dit que la lumière soit et la lumière fut Sena liloba na ye ne nyoso ekela mana sena moyo yo Azawa pona kopesa nyoso yo zangi Azawa Oyo wasala lola na mabele Azawa Oyo wabengali wapongi Azawa Oyo asilisaka ngenge ya bagere Yaya Azawa Zambe ya lola zawa ye Zawa ye Sarara babo satarare mayanda karaba Zawa Oh zawa ye Zawa Biswe fuma mina moni poison sena ye Zawa Azokota na salde ope pona kopere Zawa Ba oyo bazana maladi na nzoto Oh, Azawa, eh. Azawa, oh, Azawa, Azawa, Zamba komo, Azawa, Azawa, Oya limaka komo na makilate kosopana, Azawa, oh.
Quel que soit ton problème, tu trouveras la solution dans sa présence. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans le chemin de ta destinée, tu finiras par témoigner les cieux de miracles. Il est là. Chante encore avec mon Zamba Sakoliazawa. Quel que soit ton état où tu te trouves pendant que tu nous écoutes, laisse que la puissance du Saint-Esprit te localise. Merci Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Moi je dirais être du bon côté de l'histoire, c'est être à côté de Christ, au côté de Christ et suivre Christ dans toute sa vie. C'est ça être du bon côté de l'histoire, c'est accepter le Seigneur dans sa vie et de marcher avec le Seigneur. Je veux que vous ressentiez ce que moi je ressens sur ce plateau, la joie que j'ai dans mon cœur. Je sens mon âme être élevée, en tout cas je me sens bien et je me sens chrétien ce soir. Je parie que c'est de même avec vous qui nous suivez à la maison en ce moment. Pasteur, yes. Venons de suivre Azanano. Azawa.
Azaawa. Yes. Azaawa. Une très belle chanson. Gloire à Dieu. Et très profonde. D'ailleurs, j'étais même emporté. Je suis en train de me retenir, retenir mes émotions, mes sentiments, parce que je suis là à la présentation. Mais sinon, j'allais être vraiment emporté. Ah, ça c'est bien. Mais il y a une chose. La chose, c'est que la musique chrétienne, n'est pas tout constatant dans la on est musique chrétienne et qui n'est na cousine d'année qui zindaki. Pour avoir des chansons, il faut reconnaître le mal avec les Congolais, c'est que quand quelqu'un est déjà parti, on commence à reconnaître la personne. On doit arriver à reconnaître une personne pendant qu'il est encore vivant. Pendant qu'il est encore là. Les gens de ces chansons n'ont pas profondeur boyée. Aujourd'hui, on n'en a vraiment plus. C'est quasiment plus, au fait. Vous pouvez voir, on peut seulement rentrer dans les années 2000 ici et jusqu'en 2023. Vous allez remarquer une grande différence dans la musique. Qu'y a-t-il? Quel est le problème, pasteur? La révolution. La révolution? Ouais. Ou bien la mode a tué la musique? Moi, ce que je peux dire, plus les années avancent, plus les gens sont en train de s'actualiser et de se moderniser. Est-ce que la parole des dieux se modernise? Ou bien la parole de Dieu reste la même? La parole de Dieu reste la même, mais la façon de chanter peut changer. Le style peut changer. Mais la parole reste la même. Moi, je peux dire ceci, il y a des adorateurs du trône, et il y a aussi des adorateurs tout court. Oh, il y a une différence entre les adorateurs du trône et les adorateurs tout Exactement. Court. Exactement. Établissez-nous un peu cette différence. Lucifer était un adorateur du trône. Okay. Il était très différent des adorateurs qui étaient tout près de lui, ou des anges. Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs couches des anges. Mm-hmm. Il y a des anges qui adorent, okay. Mais qui n'adoraient pas comme Lucifer. Très bien. Il y a des personnes qui sont là comme des dispensateurs de la présence de Dieu. Mm-hmm. Ils incarnent la présence de Dieu. Quand ils sont là, en fait, ils ont la présence de Dieu en bilan, en eux. Mm-hmm. Là où il est. S'il, comme les apôtres Pierre. Dans exactement. La Bible. S'il active seulement l'atmosphère là directement, vous sentez que Dieu est là. Mm-hmm. Et Dieu marche avec lui. Mm-hmm. Dieu est avec lui. Ce que j'aime dans la nouvelle dispensation qui est la deuxième et la seconde alliance, c'est que l'arche de l'alliance et la tente d'assignation qui était avec Moïse, que Moïse marchait avec beaucoup de difficultés, est maintenant en nous. Incorporé en nous. Mm-hmm. C'est-à-dire, je ne marche plus avec l'arche de l'alliance. Mm-hmm. Mais vous avez l'arche sur moi, de l'alliance, mais vous. Je l'ai avec moi et dans moi. Vous voyez? Et la personne qui est adorateur du trône, cette personne-là, vous allez remarquer même dans ses chansons, s'il ne se déconnecte pas de la source, comme je l'ai dit tantôt ici, cette personne-là va toujours vous sortir des tubes et des tubes. Je vous donne un exemple. Aux années 1990, par exemple, il y a ceux-là qui étaient en train de prêcher que sur Dimela Yesu comme Seigneur et Sauveur. Il y a encore un autre vent qui a soufflé, et c'était Maman Olangi qui est sortie. C'était les trucs de quoi, c'était le message de quoi, de la délivrance, des combats spirituels. Il y a des gens qui étaient en train de dire, non, il ne faut pas, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une créature, il n'y a pas de combat dans l'esprit, tout ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de combattre dans leurs églises. Vous voyez? Donc, si vous demeurez constant dans la présence de Dieu, alors Dieu aussi va mettre la constance dans votre carrière musicale. Les problèmes avec des personnes qui étaient en train de nous offrir, moi je pense... Des personnes qui nous ont déconnectés carrément. Ça, c'est sûr. Parce que ces grands-là, peut-être sont jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne veux vraiment pas citer les noms. Autrefois, ils nous servaient d'une certaine façon. Ils nous amenaient dans le lieu céleste, dans Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont sur terrain, qui continuent à produire, mais malheureusement, ils n'arrivent plus à pénétrer nos âmes par leur... quantique. Le problème, c'est quoi? Pourquoi j'ai dit la déconnexion de la source? Parce que dans la source va commencer à vous donner le message de la saison. Mm-hmm. Chaque saison a son message.
Très bien. Dieu peut te donner une chanson maintenant. Cette chanson est pour cette saison. Si tu passes 5 ans, 10 ans, tu fais passer 10 ans, tu viens nous sortir cette chanson que tu as eue aujourd'hui, ça n'aura pas d'impact. Parce que le message que Dieu voulait dispenser à son peuple, c'était pour ces temps-là. Évidemment. Vous voyez? Alors, la manière dont vous étiez en train de chanter en 1930 ou 1950 ou 2000, ou le message que vous évoluez en 2000, ce n'est pas le message qui doit circuler aujourd'hui. Certainement, nous avons un même message, c'est de faire aller et de faire de tout le monde les disciples de Jésus-Christ. Mais hormis ça, il y a des spécificités de nos appels. Nous pouvons être tous pasteurs ici, mais nous allons avoir des spécificités de message. Vous voyez? Et maintenant, quand quelqu'un ne se connaît pas, quelqu'un ne comprend pas le message, ne comprend pas la saison, ne comprend pas l'époque, ne comprend pas les temps des dieux, c'est ça, là où on se perd. Maintenant, ce qui était en train de se passer, aujourd'hui, nous sommes dans la modernisation, dans la mondialisation aussi. Donc, mais on peut le faire. Moi, le problème, c'est la source. Il faut demeurer dans la source. Quand tu demeures dans la source, la Bible déclare, c'est lui qui se confie à l'Éternel. L'Éternel les renouvelle. Est-ce que le fait de se moderniser, tendance ouana, la mode, ainsi de suite, on le fait pour le gain, un gain personnel, ou bien c'est pour apporter la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu? Les deux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui travaille à l'hôtel doit manger à l'hôtel. Mais l'idée première, c'est quoi? C'est d'abord le royaume. Le reste. Mais quand tu sers le royaume, ça te permettra et ça va t'envoyer à aller faire des recherches à la foi ou à la grâce ajoutée. La connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est la nature. C'est la modernisation. C'est la mondialisation. En fait, si hier on était en train de faire ce matin, et après 10 ans, ce n'est plus, ça devient... Tu ne vas pas rester à... Pasteur, la modernisation, en gros, j'ai suivi dernièrement dans une chaîne de télé une personne qui dit, moi je suis artiste, je crois, chorégraphe, quelque chose du genre. Je gagne ma vie, voilà quoi. D'ailleurs, j'ai intervenu dans un clip d'un grand artiste de notre pays, un artiste musicien chrétien. D'ailleurs, il m'avait très bien payé. Mais les autres artistes, qu'on dit mondains, bon, ils ne payent pas très bien, on ne valorise pas. Bon, je veux juste prendre cet aspect-là. Aujourd'hui, dans la mondialisation, ou bien la mode accepte que dans nos clips, qu'on insère n'importe qui. Parce que le travail que vous faites, c'est un travail noble puis divin. Vous ne pouvez pas, dans votre chair, quand vous prêchez, inviter n'importe qui prendre la chair, parce que la chair est censée normalement être la chair du Seigneur Jésus-Christ. Et vous n'allez pas prendre un païen qui n'a rien à voir avec la chose divine et venir participer dans un clip d'une certaine façon. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que les mêmes personnes qui vont aller danser chez X, par exemple le musicien mondain, qui vient aussi danser chez le pasteur David. C'est toujours la musique chrétienne ou bien... Je peux répondre? Oui. Vous savez, nous, avec ces gens que vous appelez, les mondains, tout ça, nous utilisons le même studio, les mêmes guitares, les mêmes ustensiles. Et oui. Vous voyez, il est difficile dans ce monde actuel de faire les choses en chrétien. Ça veut dire? Ça veut dire, quand vous cherchez la perfection, il y a aussi des perfectionnistes dans le Seigneur. Mais si nous voulons gagner tout le monde, nous faisons quoi? Nous restons en Jérusalem ou nous devons aller en dehors aussi de Jérusalem? C'était ça le combat de Pierre, l'apôtre, et de l'apôtre Paul. Il y a ceux-là qui pensaient que le message était que pour les Juifs. Mais il y a ceux aussi qui pensaient que le message était aussi pour les non-juifs. Ce que nous faisons, moi je trouve bien de prendre un païen, par exemple, de l'insérer dans un clip chrétien, mais pour donner un message. Quel serait ce message-là? D'abord, il y aura deux messages. Le premier message, c'est pour la personne qui participe dans le clip, de lui dire ce que tu es en train de faire, tu sers déjà Dieu. Tu dois avoir une conscience
et savoir que Dieu t'attend à le servir autrement. Il y a deux choses. La présence de la personne et puis les danses qu'on utilise aujourd'hui dans nos clips. Les mêmes danses qu'on utilise dans votre clip, par exemple, c'est un exemple, c'est la même danse qu'on retrouve dans X musicien mondain, Y musicien mondain, les mêmes pas de danse. Et la même personne qui avait, par exemple, la même manière qu'il a dansé là-bas, c'est la même façon qu'il danse aussi pour le Seigneur ici. Ah, ça là, en tout cas, ce sont des choses maintenant à déplorer. Ce sont des choses à déplorer. Parce que même dans la construction de l'Arche de l'Alliance, ou de la tente d'assignation, Dieu avait dit à Moïse, vous allez construire ça conformément à ce que... Au modèle que vous avez vu. Aussi. Exactement. Et si je pars encore loin dans la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous allez penser comme si je suis en train de me contredire, mais je ne me contredis pas. J'ai dit, je vais bien dire encore, tu peux utiliser le rythme actuel, le style actuel, la façon de chanter actuelle pour véhiculer le message du Seigneur, pour que ça puisse toucher tout le monde. Je donne un exemple. Tu ne vas pas dire, parce que le mondain utilise le TikTok, moi je ne vais pas utiliser TikTok pour véhiculer le message du royaume. Non, je vais aller là où il y a même les païens qui utilisent des mauvaises choses. Moi aussi je vais aller prêcher la bonne nouvelle. Mais le problème c'est de prendre les feux étrangers et de ramener ça dans le royaume. C'est ça qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous voulons plaire aux gens. Nous voulons que les gens voient que on a dansé dans mon clip, c'était mouvementé, il y a eu ceci, il y a eu cela, vous voyez. Mais ce sont des choses que plusieurs personnes déplorent, ce n'est pas seulement vous. Mais les hommes aiment ça. Les jeunes d'aujourd'hui aiment ça. Si vous ne dansez pas, je m'excuse, mais je cite Mopacho dans votre clip ou dans votre chanson, c'est que vous n'avez pas encore dansé. Aujourd'hui, c'est Mopacho. Hier, c'était quoi? Hein? Koimiko. Et c'était quoi encore dans les années 90 ou 90? Parce que ceux qui font David, à salir moi, équipe moi, bouillir moi, peut-être moi générique, mon bouillir au chapé, mon pas choukou. Non mais, attendez, est-ce que je chante d'abord pour qui? Bato, babé, t'as dit mon pas chou, babé, t'as dit mon pas chou pour na banani. Il faut savoir la motivation de ce que tu fais. Tu fais pourquoi? Moi, je chante pour Dieu et je chante aussi pour le royaume, c'est-à-dire pour ceux qui appartiennent à Dieu. Troisièmement, j'essaye d'évangéliser ceux qui ne sont pas en Dieu très bien. Et venir vers lui. Très bien. Mais non, je dois faire les choses conformément au royaume. Parce que si je viens, je vais finir par ici. Je vais te gagner. Je vais te gagner, par exemple, tu es prostituée. Chez vous, vous mettez des trucs ici. Vous sortez le matin, vous revenez à minuit ou à 3 heures. Moi, si je veux venir t'amener les changements, c'est-à-dire, je vais te faire quitter l'état où tu étais à l'initial pour te shifter à un autre état. Maintenant, si je dois commencer à vivre comme toi, mais en te parlant d'autre chose, il dit, Tika Kindumba, mais moi aussi j'ai mes piercings, moi aussi je sors, je rentre à 3 heures, Tika Kindumba sert. Mais moi aussi on me voit avec des filles, on me voit avec des hommes, Tika homosexualité. Mais moi-même je traîne et je suis là comme elle est, tout ça. Mais qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas un exemple. Je veux une chose et son contraire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut rester dans le modèle. Dans le modèle. En restant dans le modèle, ça te permet. Kobi dans la clip, et ça. Oui, succès, c'est autre chose. De toute façon, on s'attend au succès. Ça, je vous l'ai dit sincèrement. Investir justement pour. Et alors, on a fait une fenêtre. Et ça, pour votre balia. Très bien. C'est quoi ce votre bazoli à Bilogwanate? Yomo, on s'est questionné. Parce qu'il y en a un bien. Voilà. Donc, aux obligés, toi, tu as un cube magique. Narat, ça, Biloko, pour votre balia. Il y a d'autres personnes, au balan, barassant cube. Balia, peut bien. Très bien. Très bien. Alors, la troisième chanson, c'est quoi? C'est une nouvelle chanson que nous allons sortir très, très bientôt. Zoa Lokoum. Zoa Lokoum. Parce que comme ça, on va finir avec Benga Yesu. Ou si vous voulez, on commence avec Benga Yesu. Non, j'aimerais plutôt qu'on puisse clôturer avec Benga Yesu. D'accord. Zoa Lokoum, Poyo Bongi Nango. C'est une chanson d'action de grâce, de remerciements à Dieu.
depuis janvier à Batelio. Certainement, à Pécio, ma pas saté, ma Pécio quand même moine. Évidemment. Certainement, hein, au côté qui prison, mais au final, qu'à tité. Certainement, à la gare qui voiture, à Pécio, dans nos voitures, mais au bima quand même aux autres, on a peine d'accord. Vous comprenez? Donc, il faut savoir dire à Dieu merci, même pour des petites choses. Parce que des petites choses, des petites réalisations engendrent des grandes réalisations. Des grandes réalisations, ça c'est vrai. Oh, Zoua Lokumu, Koyo Bongi Nangoe. Oh, Zoua Lokumu, Koyo Bongi Nangoe. Comment on chante avec moi? Babota kate bako makobota Suwa lokumwe Koyo bongi na ngoe Motoba wakisa ye wana komirishe Yaya suwa lokumwe Koyo bongi na ngoe Nalala kikasyola musingaye Suwa lokumwe Koyo bongi na ngoe Baseka kilobi lelo amatie ya yazua lokumwe boyo bongi na moe elokwezanga kitina lelo ezuitina ya yazua lokumwe boyo bongi na moe sevana nuna simbite mena zande vivant ya yazua lokumwe boyo bongi na moe Atapona mike oyo yo kokisie ya yazua lokumwe boyo bongi na ngo oh zua lokumwe boyo bongi na ngo na tombola Yesu likolo na nyoso ya ya
merci pour ce beau cantique. Là, c'était encore le titre Zoualokoumou. Une façon de rendre gloire à Dieu. Dans la merveille, tout à Sali. D'être toujours reconnaissant. Toujours. Wanezana Kati, album Ezoya. Ouais, toujours préparé, déjà sorti. Il y a single, tout album. Il y a album, deuxième album Nanga. Deuxième album. Il y a Bissot, donc pour titre 2024. Nanga, glorifié. Ouais, c'est ça. Pour 2024. Il y avait justifié. Justifié. Maintenant. Glorifié. Romains chapitre 8, verset 29. Justifié. Et puis glorifié. Yes. Waouh. Ça, c'est très inspiré. Hein? C'est l'album de la gloire. Je vous dis, il y aura des tubes. Wow. Pas des chansons, mais des tubes. Des tubes. Ah non, des hits. Ça sera des hits. Ça sera jusqu'à vous couper le souffle. Waouh, au cours de cet épisode, déjà, nous tombons déjà amoureux. Un bon marketeur fait toujours vendre ses produits. Alors, on tombe déjà amoureux au fait de cet album. Non, mais soyez. Mais je vous dis, Aza, ok, on dit. Zoualokoumou. Mais en tout cas. Kosa Moussou sur le Sambo Yabutu et Futaka. Ah, le Sambo Yabutu et Futaka. On est à Leki. De révolution et à Bengaï. Très bien. Pasteur David, aujourd'hui, non, rentrons d'abord en arrière, les années passées, les artistes se retrouvaient d'une certaine façon. Parce que ils ont CD, ils ont ma cassette, ma note, ma JP Kiss, Sokati Bouyi. Autant, il y avait un tube naïe, moi, ma Sombi, ma cassette. CD, et puis les artistes se retrouvaient d'une certaine façon. Aujourd'hui, CD, cassette existent en société. Bloc on a nions, et ça sauté. Comment vous faites pour vous retrouver aujourd'hui? Parce que l'open à mon nom, producteur, Zalaka, Penza, T, ainsi d'une certaine façon. Comment vous faites pour tenir autant? Ah, ça, c'est une question qui nécessite vraiment une réponse directe. Parce que nous avons plusieurs artistes aujourd'hui qui souffrent. Vous ne pensez pas que comme nous sommes sortis, il y a ceux-là qui ne sont pas encore sortis, Bayébité. Bayébi, mais Bazan a moyenté. Parce que nous aussi, les moyens que nous avons aujourd'hui, nous n'en avions pas hier. Et c'était terrible. C'était terrible même pour évoluer, pour monter, pour voyager. C'était terrible. En fait, il est plus difficile pour une personne de faire la musique chrétienne que la musique profane. Parce que la musique profane, c'est ma banga, c'est tout boire à raïs. Moutoko sa abouena, yem belon zembo tchanga 5000. C'est tout yem belon zembo. Parce que moutoko, pour azwa penza, mbon on aye, ape sa yo, o yem beli e pété, le coup mouna yen akati pe zate. C'est qu'il faut la pousser par l'esprit. Ce que pour nous à la pousser par l'esprit, il faut temps. Il faut le temps de Dieu. Ce que pour nous à la pousser par l'esprit, il faut temps. Si nous avons dit que 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 et c'est difficile. Vous êtes vous-même en train de dire des choses qui existent, des réalités. Comment vous voulez que les gens évoluent? Comment vous voulez que les gens progressent? Les locaux, ça, la même promotion est comme un problème. Au ça, la promotion, la chaîne. Nous avons plus de 100 chaînes. Na qui now? Au ça, la promotion. Au pire, au ça, la succès, Nathan et papa, ma tout, c'est même Zagui très facile que les locaux. Hein? Bah la chaîne quand Mormi Balé Sangomala Mozu RTNC Radio Elikia Lelo, vous en avez combien de radios? Vous en avez combien de repères sabato pour bêta yo? Babeta ba Nigérien te? Babeta ba Américain te? Babeta yo? Congolais? Parce que moi je pense que Congolais souffrent d'un complexe d'infériorité, n'a pas supériorité. Pour na Congolais, ceux qui a moni lo wa Congolais, c'est que ça antina te. Puis moni lo wa mutumusu su awa ndeza bien. On souffre. Et mais le seul moyen pour le musicien gospel, il y a qu'on s'est retrouvé quand même. Et ça, na na streaming. Na streaming. Mais na streaming, awa. Na retour na taille, combien de fois somba de yan zembo en ligne. Au fin de bout, somba de yan en ligne. Bazat, même bazat, on a 200 millions à kin. Awa, ta mousso, ata 5000 personnes à Pamba. Ou 2000 personnes de basomba.
mais pourtant les Nigériens des bazar tout bateau en apoto nous ce qu'on a bancarisé, c'est-à-dire ce nouveau kanzembo, ce nouveau côté application, ce nouveau sabo, nous ce déjà donc c'est plutôt le système yambo cannabis on de permettre bisoter. Ça c'est de 1 parce que soyez déjà 1 million de personnes qui ont kanzembo dans la Spotify, bah sombi en attend à 1 dollar, je suis millionnaire mon frère. Mais quel millionnaire tu vas repérer sur 1 dollar bah cause na bango hein, bah on sombi c'est déjà 1 dollar. Mais à qui ne coûte na banque. Azora batanyo sotona kokota ba akota wabima wanenge kina akrobationa pona kongola zo monora za compliqué et c'est comme ça que nous nous appauvrissons ozomona seul moyen na biso mosu eza ta mosu ko ba concert so sa di concert o tie 20 dollars 30 dollars ba betali ba na mono matérialiste ba nzambe yaki ofele ba nous côté ka ngona mbo studio eza ofele micro oso mo ofele transport et robin mais ils ont fait Saint Esprit attend Philippe à Doza oh Azio a déposé au Kuna et comme il bah transport ils ont bah vieux ils ont maté avion qui n'est pas sur le monde qui n'est pas sur le monde là les gens là bon limo comme ils ont dit bah Robert t'as eu au Cameroun qui pasteur dis-nous un peu n'aba œuvre non qui t'occupe comment comment au salaire pour nous protéger parce que bah tout le monde cause à bah pour sortir la œuvre nayo mais est-ce qu'on a la possibilité à protéger bah œuvre nayo d'une certaine façon oui mais ce qu'on a et causé le rasu qu'on a là dans le baguette dans la question non on a faut nous épingler et voilà et ça moyen monsieur s'il y a bah musicien chrétien tout gospel qu'au zambo et ça n'a pas production bah pasteur il faut pas amuter à malamo ce pasteur normalement a moni un frère ou une sœur pour évoluer dans la musique gospel, il faut topé sarabango, topé sarabango coup de pouce. Okay. Parce que quand ça les sous promoteur t'es à musique chrétienne. Alors nos seuls promoteurs, ils aba pasteur na église na bango. Mais pasteur a go bengi sa yo, a monyo yé pe na 10 personnes na 15 personnes a payé 50 dollars. Wow. Au tali église, au tali mon a payé yo, au cas moi. A payé 20 dollars, c'est mis au ok. Hôtel lié mon remonte, hôtel n'est pas mazo ça là, mais bien qu'aucun idée. Waouh, c'est. Non mais ce sont des réalités. C'est fort. Marambo on a zolo bah ah ouais, mais quand un peu qu'au bête là bas musicien chrétien bah ébisayo, comment il souffre, bah gagne à combien à bas prestation. Waouh. Et tout comme ils sont obligés, moi j'ai une fois essayé de faire ça, mais mon équipe est là, Toby bon, bah ben ils sont quelque part, toi qui es quoi, bah tu n'as, tu fous toi combien. Naye ki mola nzambe makasi sali c'était papa bosala ndenge bosala nzambe ndamba nzambe conduire biso tout ça na bango to bimana 200 et na bimana na 26 950 francs kota ki ngasa 20 to ki ngasane tala embouteillage tala mutuka tala carburant mutako ki bino mawate waouh 26 900 mutabongo so prochainement obinga na c'est bon avant na déplacer atina na nous 500 dollars il y a carburant nanga et puis on a commis qu'on a avant na yemba pesa nga 500 au beti libaku obi frère na commis païen t'es là qui païen t'es dit so ba pasteur n'est aux amité mamabe les pasteurs n'ont pas une bonne foi et j'insiste là-dessus ça c'est nos pasteurs baza a recepé la bête ça ba yembi na église ba yembi ça ba banzembo ya bato ici ba moni pas si pour obimisa yango ke a bengi sa yo moko e pas ebi so a bengi sio au kabolana yombongo na yo efe ya mawa auto ya pasi o ya kota na dimanche oui mais nous servons qui mais aujourd'hui et demain quand ces gens là vont commencer ba pengui les mêmes pasteurs ah ba pengwa ah ba si là mais qu'est-ce que vous avez fait pour protéger ces artistes donc moi pour protéger mais c'était juste une parenthèse très bien et ça n'a pas bêté quand ça va pasteur moussoua bengi sa vie soukenda moni pena bo simi pe pour se sentir pena ça va mais que ça majorité na kin awa et puis ba congolais aza congolais yaza congolais partout ato kouti na poto c'est un congolais ato commune à lola congolais kouti na lola mazaka congolais mais na maramuna mabeona kazaka congolais il est là congolais donc c'est compliqué. J'étais dernièrement à Ouganda ici, mais les gens sont en train de dire les Congolais, quand ils reçoivent leurs propres frères Congolais, mais c'est toujours du bordel, c'est toujours n'importe quoi. Wow. Et partout, c'est comme ça. Quand est-ce qu'on va évoluer? Les Nigériens sont loin maintenant de nous. Est-ce que tu es bien battu? Tu es en train de se battre? Mais pourquoi tu souffres?
tout na ba papa na biso ba yemba kala lelo baza na banda kuwabi bazo vivre na ba conditioning oye bi place papa ka batia fana wow obi place couple boulo ba fana nyoso na poto ba chrétien bon nga pona na suki na tiki na nga place na na mo photo zo pena émission toi ou le droit d'auteur ah ouais nous avons vraiment émission mon on va parler sur ça ouais. Chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, bon mais qu'un peu qu'au tal là on s'est penché un peu na oyo l'homme de Dieu vient de dire ici parce que Moutaro s'est déplacé au Timusika aïe type on a presté oui certes c'est le service divin mais t'as au moins équipe déplacement wana ma distance tout en gang à zapper la poste donc ça moins énergie wana mais mon temps mon peu ça wana. Ça ne fortifie pas, en fait. Ça ne fortifie pas. Essayez un peu de soutenir, c'est l'œuvre du Seigneur. Peut-être que vous soutenez l'œuvre du Seigneur partout, mais c'est, ça, c'est aussi l'œuvre du Seigneur. Alors, la régie, s'il vous plaît, nous chutons déjà. Nous allons suivre Ben Ayesu. C'est par là que nous clôturons cette émission. Allons-y. Ce que l'âme santu ezali lo sambo luka yo komona zamba ko fongola lolo oyozo lukeza nini oyozo sengeza nini belela Yesu akosala na lo sambo Asimbi lo sambo, asimbi ne lola Luka yoko mona, zamba kofongo la lola Esimbi na mokilite, ya ya belela yeswe Alo alo na biso, eza lo sambo Kasi nakati ya lo sambo, yoko sala Ya ya Kasi ya lo sambo, yoko sala Nakati ya lo sambo yoko pesa Oyo na wata na vie Nakati ya lo sambo yoko sala Bisika mayele ya batwe suka kaya kolwe bani belela Nakati ya lo sambo yoko sala Moise maboko likolo na ngomba Kuna josu azolo nga banguna Nakati ya lo sambo yoko sala Batale likisi na bango kasi biso kisi na biso ezali lo sambo Kati ya lo sambo yoko sala Na muka na ponge molimo telema Una bitu mbali botana yo Kati ya lo sambo yoko sala Bazali na batu ako belela na tangwa likambo Yoko belela yesu Kati ya lo sambo yoko sala Watu ezali neko zinae La Musa Yesu ndena kati ya lo sambo Kati ya lo sambo Profeto za wake Na kati ya lo sambo Apesa kabana na basi bazanga batrompe Kati ya lo sambo Ya ya Na kati ya lo sambo Maloba baloba pona yo eko kitokwe Na kati ya lo sambo Yoko sala Na kati ya lo sambo Ata la zara kufa kala ya ya kose kwe Na kati ya lo sambo Ya ya benga Yesu Benga Yesu na kati ya lo sambo Ya ya benga Yesu Benga Yesu na kati ya lo sambo Musale zo simba te benga Yesu Benga Yesu na kati ya lo sambo Simbale zo umela benga Benga Yesu na kati ya lo sambo Na putu lo sambo na tomo bi Benga Yesu na kati ya lo sambo Ya ya na nga obe
butuna tongonde repose Nambo yo Nambo yo Nambo yo Nambo na cité ne repose Nambo yo Nambo yo. Oh my God. Pastor Mbote bene kwemi ma. Nzamba pambola yo. Amen amen. Mesdames et messieurs, en tout cas tu es obligé à kosu ki sawa. Pour ça quitter ça te parce que Esengo il est qui tellement ébélé. Pasteur, en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup Yako Benissa Misoke na biso na poko ya lelo. C'est nous qui vous remercions. Bisonde ba etotondi ope botondi. Très bien. En tout cas mes sœurs, merci et que Dieu vous bénisse richement. Et notre frère le clavériste, que Dieu vous bénisse. Le doux Roli. Doux Roli. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. Je parie que ça sous plateau Moussousou avec le frère David. Merci Jemima, merci Christian, merci à toute à l'équipe de Congo Buzz Télévision, à vous qui nous avez suivis. Écrivez-nous, appelez-nous. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Bye bye.